Les données récentes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME révèlent que les petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Cet accompagnement s'inscrit dans la droite ligne de votre mission, celle de promouvoir des investissements fiables du secteur privé en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois décents et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Notre banque accorde une attention particulière à l'appui aux PME, comme l'atteste son plan stratégique qui prévoit un accroissement du volume des crédits à leur profit à travers le développement d'une approche prenant en compte la chaîne de valeur, une meilleure utilisation des mécanismes innovants des garanties contribuera certainement à améliorer cet appui. Grâce à ces partenariats avec la SFI, nous pourrons également mieux répondre à la demande non satisfaite des services financiers, notamment celles provenant des entreprises détenues par des femmes. Aujourd'hui, nous sommes heureux que nous ayons pu, avec la BCC, être un partenaire stratégique, non seulement pour la banque, mais aussi pour les acteurs privés et publics et les centres de diagnostic qui sont à la recherche d'équipements modernes. Ce que nous allons essayer de faire avec vous, c'est de pouvoir les accompagner pour l'équipement et aussi pour la maintenance. Les deux facilités que nous mettons en place, Monsieur le Président, s'accompagnent aussi, et c'est ce qui nous a été remonté comme feedback par rapport aux facilités précédentes, s'accompagnent de programmes d'assistance technique robuste, comme l'assistance technique pour la banque, mais pour l'assistance technique aussi pour les bénéficiaires. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir signer cette facilité que le groupe BCC elle-même vient d'évoluer avec un nouveau actionnariat. Et je crois que les orientations que vous êtes donné en termes de placer la banque comme une institution de référence dans le financement du secteur privé en rapport et en ligne avec les ambitions du pays. C'est aussi ce qui nous a motivés pour pouvoir accélérer ce que nous avons.